Ouais, mais l'haut-parleur, il a pris un petit coup, tu vois, il vibre. Ouais. Ouais, il y a la sono, mais bon, l'haut-parleur, il a pris un coup. Tu peux l'enlever là? Non. Ah non, du moment où je mets le moteur, il se connecte dessus, il y a un Y dessus, tu sais, Ah ouais, d'accord. avec le module, et du moment que tu accélères, hop, Ah ouais. il fait son boulot, quoi. Oui. Ouais, quand même, avec le Warbeat, hein. Oui. Ah, c'est pas au coup de l'aileron. Non, non, non. Faut apprendre un peu à servir la dérive. Ouais, m'en chercher un autre. Comme ça, quand tu prends les virages, il est un peu plus plat qu'à 45 degrés, tu vois. Parce que quand tu prends les ailerons, et automatiquement, il se met à 45 degrés presque. Là, je vais faire tourner, je vais prendre la dérive, là, regarde. Hop, tu vois comment il fait? Ouais. Ouais, il tourne plus à plat. Ouais, il Bon, tourne après, plus il à faut avoir plat. l'habitude, après, regarde, hop. Parce que si tu fais que l'aileron, lui, il clip à 45, il Il tourne, hein. chute. Ouais, mais il va Mais descendre. faut faire gaffe parce qu'il a moins de portance, et c'est là qu'il risque de décrocher et puis de chuter, quoi. Là, je prends la dérive, là, tu vois, il pivote presque à plat. Ouais, là, faut que je vous Tu fasse vois, hop. Ouais, il tourne à plat, ouais. Ouais. Et ça, c'est bon parce qu'il a toujours une bonne portance, tu vois, il est toujours à plat. Quand tu fais comme ça, les ailerons, Il descend. là je fais que les ailerons, bah regarde, tu vois. Il descend. Et là il descend, il a tendance à descendre, donc tu dois compenser avec la profondeur. Ça, je m'amuse avec les ailerons, je m'amuse beaucoup avec le planeur. Le planeur, il a tendance à tourner sur lui-même presque. Je m'en sers jamais de la dérive. Il faut apprendre parce que t'as vu, quand tu décolles, il faut le positionner l'avion, hein, sinon s'il va où tu veux, Ouais, c'est ça c'est bon qui qu'il décolle vite, hein, parce que me. là tu fous dans le champ. Hein. Voilà, j'étais dans le champ. Avec le vent, comment l'air se décolle. T'as vu? C'est phénoménal celui-là. Ah lui, c'est un sacré avion ça. Avec le vent, il n'a pas voulu le con là. Pourtant, hein, il n'y a plus de moteur. Hein. J'ai même pas besoin des flaps parce qu'il porte bien. Allez, on va le descendre un peu plus bas déjà, pour prendre déjà de la hauteur. Il n'y a même plus de moteur. Regarde. Avec la gouverne, hop, la profondeur. Putain. Ah, il est bien, malgré le poids, tu vois, il vole. P51, ça vole bien. Bon, après, il faut méfier parce qu'il plane, mais à un moment donné, il tombe. Hein. Mais comme il y a du vent, là, ça le porte, tu vois, j'ai même pas mis les flaps. J'ai 4 minutes de vol. Là, je suis en 4S, 4S, 3007. 3007. C'est quoi comme moteur? J'ai changé déjà, je sais pas te dire. Voilà.